monde, bienvenue sous Palin Sakma pour la CAI. En fait, guerre, là aussi, Ukraine, en fait, d'après moi, si tu as parlé, qui t'est fait avec le président français, Emmanuel Macron, eh bien, il déclare, il a répété, le président français, il dit, après moi, fin parler avec Vladimir Poutine, et non, échange intense que nous avons avec lui, et ils ont on peut parler qui en fait un coup de fil qui te dit 90 minutes. Eh bien Macron dit moi me convainc aujourd'hui que le pire est à venir. En d'autres termes, Macron dit l'aime fin parler avec Poutine, mais moi on compte ça moi là cette roquette là, Charles Adair. Et qu'effectivement, là aussi décidé et convaincu qu'il faut prendre contrôle total complet de l'Ukraine. OK? Donc lui comprend que Vladimir Poutine vraiment déterminé et Vladimir Poutine dit pas grand rien qu'à prêter lui dans coup ça. Malgré que et président français Emmanuel Macron te souligné pour Poutine et bien pays où la paye sa cher, ou a vini un pays qui isolé, affaibli et puis ou pas en bas sanction pendant un peu de temps et l'ajouter que et Poutine pas bay tête ou menti. Conversation entre le président français a été initiée par Poutine. Et maintenant, il faut nous dire que, et en pile monde, il quoi que causer sanction, ça, ce n'est pas grand-chose. De préférence, il y a des leaders par ici qui les voient, ils disent qu'il y a des gros armes, des avions de guerre. Ils disent qu'il faut que vous bailliez, c'est l'espoir. Ukraine fait à balle avion de guerre, ça parce que la vérité, on clair sur ça. Ukraine n'a pas gagné en quantité suffisante d'avions de guerre pour le protéger l'espace aérien. Ça, c'est un gros problème. Pour moi, le monde pense que sanction, pas nécessairement va changer pour lui. C'est la guerre. En d'autres termes, ils pensent que faut que les États-Unis ta choisi, ils ont gagné des séries d'avions de guerre spécialisés, c'est à livrer bah, Ukraine si vous voulez faire. Une véritable différence. Maintenant, qui s'est sorti dans le moment où on a parlé à la, gagne un cessez-le-feu. Mais attention, un cessez-le-feu limité. Un ceasefire que vous joignez, pour qui ça vous fait, son façon, vous dit, pour vous créer un couloir pour que les citoyens civils qui sont souterrains sont capables de chaper pour lui, sont capables de jouer nos bagailles, approvisionnement pour en fait, des approvisionnements pour manger, des soins. Parce que ça qui passe dans le moment là, et vous apportez gagne des zones que vous vraiment dans la fin, yo pa ka sorti, yo pa gagn, yo pa ka prendre soin. Donc yo en fait les États-Unis en fait là aussi de concert avec l'Ukraine, yo actuellement là a finaliser, tenez bien, a finaliser plan pour gagner ça nous reler un limited ceasefire. En d'autres termes, yo a choisi des couloirs spécifiques côté que yo dit nous pas tirer dans tel espace. Nous pas vider balle ou bien bombe dans tel espace sans façon pour permettre que gagne un couloir pour porter secours. Pour qu'il y ait des aides humanitaires. Bien entendu, il a aussi pas le contrôler ça, si on ne peut pas filer les âmes dans les aides humanitaires. Mais c'est créer un espace, un couloir, pour qu'il y ait des aides humanitaires, pour permettre que citoyens cap mourir dans la faim, ça qui peut-être qui besoin de soins, ils sont capables de joindre. OK? Donc, c'est justement et accord ça. Et maintenant, toujours, si nous retournons avec Macron pense que dans point rivé là, moun pas même besoin de Poutine pour venir négocier retrait. Poutine pas dans retrait encore. Poutine pas sous retrait. Pas gain négociation. Poutine clair que le pape suspend pété balle. Donc la avancé, jouk Maïmi, jouk la rivé justement prend contrôle total de la ville. OK? Objectif li, c'est opération militaire. OK? Et il dit la arrivé accompli dans quelle que soit façon. Il dit tentative pour essayer de gagner le temps pour négociation et en fait, tenez bien, Poutine qui a parlé, il dit et Kiev en fait et Ukraine gagne pour aujourd'hui nous bay vague nous capituler immédiatement. OK? Si on a fait pile temps là, c'est bah la cap pi mal pour yo. OK? Donc remarque ça, reflétez,
une détermination pour continuer l'opération militaire et continuer jusqu'à la fin. Donc, mais et position Poutine, d'après Kremlin News Service, Poutine prend causer ça et très au sérieux, il adresse la nation. Hein? Et donc, Poutine, justement, qui lui-même, pape la guerre, qui pape by vague, et non causé ça. Kremlin dit que Poutine pas d'accord avec un pile monde qui web à la son seul angle, parce que lui-même lui dit, et lui, justement, voulait protéger zone. C'est pas lui-même qui vient entrer en bas vente les États-Unis et en fait vient qui bas ou bien vient Venezuela pour essayer prendre des alliés pour venir mettre des armes en bas vente. C'est le contraire, c'est les États-Unis qui fait ça. Donc puis y a personne monde accusé comme quoi c'est lui qui t'a cause guerre ça. Mais de préférence il pensait que c'est les États-Unis et NATO, l'OTAN, c'est eux-mêmes qui agresseurs là. En fait c'est comme ça que lui-même lui décrit. Sous l'autre bord, on dit que parlementaire yo pa bon ici contrairement avec président Biden. Nèg yo pou on bagage, nèg yo pa non bagage là. Tande bien. Nèg yo a mandé une interdiction sous importation de pétrole de la Russie. M'a pas prendre pour nous. Et parlementaire yo, des deux côtés, yo dit pou ta gen un ban, pou ta gen interdiction de tout gaz kap sorti les États-Unis pour entrer aux États-Unis. Tout gars qui a sorti là aussi. Mesdames, je voulais rappeler nous que à aucun moment de la durée, la présidence n'a pas jamais gagné un plan comme ça. La présidence n'a pas jamais dit que lui-même, lui, dans quatre batailles, ça, il a campé gaz. Parce que, ça pour nous comprendre, sur le plan stratégique, malheureusement, souvent encore là, les États-Unis gagnent une grande dépendance en matière et de consommation de pétrole qui a sorti dans le pays aussi. Mais dans le Parlement, ils ont introduit là, en fait, de toute façon, ça son problème. C'est un désaccord qui gagne la présidence et le Parlement. Ok? White House pas d'accord. Parce qu'elle connaît que le Parlement il va le payer cher. Il va vraiment le payer cher. La vérité, c'est prendre un couteau fourré dans le gorge. C'est ça. Maintenant, parlementaire, même c'est comme quoi vous même dit, mais pendant ce temps, c'est pour un couteau fourré dans le droit. C'est des couteaux entre les deux côtés. Tout. La frappe là aussi très du tout. Il y a un pile sanction qui prend contre là aussi, mais consommation, importation de pétrole. Yo parade. Donc, l'homme écœur, il y a de manière publique, il y a demandé à l'administration pour le frapper, pour une côté ça, à blesser le public, imposer sanctions sur massif secteur énergétique. Il y a des propositions qui mettent fin à l'importation ça aux États-Unis. Ok? Et donc il dit faut que agir qu'on est là. Et donc voilà en pile et démocrate coup républicain n'a causé ça. Alors là, nous pas connaît et qui jeune libre allié parce que présidence paladin façon voter qu'à force président ça fait ça faut voter 3/4 dans le parlement sénateur député pour ta voter. Les ça et ça n'a rien les droits de veto président. Pas absolu. Donc, maintenant qui point, bagayoye, nan moment que n'a pas parlé avec vous là. Pas oublier toujours été connecté, les derniers updates, n'a pas porté, pas bon ici la pour vous.